C'est la première fois que la Tunisie et Sao Tomé et Principe vont s'affronter dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026. Les Aigles de Carthage apparaissent comme les leaders de ce groupe H, composé de la Guinée équatoriale, la Namibie, le Libéria et du Malawi. Nous avons une très jeune équipe. Nous savons que ce sera un match très difficile, mais nous savons que nous avons notre chance. Peut-être 30% ou même 70% de chance pour la Tunisie, mais nous croyons. Ce match contre la 186e nation, dernier classement FIFA, aura lieu au stade olympique Hamadi Agrebi de Rades ce vendredi. L'équipe de Sao Tomé espère créer la surprise. Oui, nous sommes confiants. C'est une nouvelle compétition. Le groupe semble fort. Je dirais probablement que la Tunisie est la meilleure équipe de notre groupe. Mais le football dure 90 minutes et tout peut arriver. Nous allons faire de notre mieux et nous espérons que nous franchirons la ligne. Dans ce groupe H, la Guinée équatoriale a déjà remporté son premier match face à la Namibie. Le Libéria doit affronter le Malawi ce vendredi.